l'histoire d'un homme qui s'appelle Siddhartha, qui va vivre plusieurs vies dans sa vie. Donc, d'abord, il va commencer par sa vie initiale. En fait, il est dans une famille de brahmanes et il est destiné à une vie spirituelle et de sobriété. Et il décide de quitter cette vie-là. Il décide de la quitter pour aller vivre dans la forêt. Ensuite, il va rencontrer le Bouddha, Gautama, et il va, plutôt que d'essayer de suivre juste sa doctrine à 100%, il va essayer, il va réaliser, en fait, il va dire que même si lui, il a atteint un état supérieur d'éveil, etc., ben, il réalise que les gens autour de lui, autour de Bouddha, autour de l'éveillé, eux-mêmes, ils ne sont pas éveillés. Et donc, la conclusion qu'il en tire, c'est que même si ce Bouddha, il a un regard, il a une attitude de quelqu'un d'éveillé, de supérieur, ben, ce qu'il faut surtout pas limiter. C'est pas ça la solution, c'est pas d'écouter sa doctrine, c'est pas d'écouter ce qu'il dit. Se brouiller les oreilles. Dites en commentaire si c'était bien, si c'était une expérience agréable. Et donc sa conclusion, c'est qu'il ne faut pas suivre les doctrines, mais plutôt vivre sa vie et vivre ses expériences de vie à soi pour en tirer ses propres conclusions et affiner sa propre sensibilité. Et donc ça, cette vision des choses, c'est ma vision à moi, et c'est aussi celle qui est développée dans d'autres romans comme Le culte du moine de Maurice Barrès, ainsi par les Zarathustra de Nietzsche, ou même d'une certaine manière dans Le voyage au bout de la nuit de Céline. C'est l'idée du roman d'une personne qui vit plusieurs vies dans sa vie pour en tirer ses propres conclusions. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers ma chaîne. C'est-à-dire que je ne vous dis pas la vérité ou je vous dis pas une doctrine que vous devriez suivre. J'essaye de faire en sorte de me contredire en résumant des livres qui sont contradictoires. J'essaie de faire des projets 30 jours qui sont intenses, où je vais essayer de faire des erreurs rapidement pour m'améliorer grâce à ces expériences. On est presque à regretter les grèves de la RATP et tout. Mais c'est clair qu'il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, ils ont pété une carte les mecs. Ils ont pété le métro toutes les minutes. Et donc ce qu'apprend ce livre, comme d'autres livres du même genre, c'est que quand on veut se développer soi, il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est juste d'écouter quelqu'un, de faire tout ce qu'il dit bêtement et d'écouter une seule doctrine à fond. Et l'autre écueil, c'est d'imiter personne. C'est de juste faire son propre truc tout seul dans son coin. Et de ne suivre aucune doctrine. Moi, ma voix, et la voix que j'essaie de défendre dans le disciple, c'est que ce qu'il faut faire, c'est suivre à fond une doctrine, une idée, et ensuite changer de doctrine. Et en fait, vivre plusieurs vies dans sa vie pour trouver ce qui est le mode de vie idéal pour soi. Et donc, il y a une chaîne qui s'appelle Teddy Boy RS1 qui parle de ça particulièrement. Et je vous invite à la voir. Il recommence. Il refait la même vidéo qu'on a déjà faite. Non, mais c'est la conclusion. Oui. Salut, ça va ? Dites oui à tout le monde. C'est fini ça. Désolé. Pourquoi tu voulais lui demander quoi ? Non, rien. Si, elle avait une idée vicieuse là dans la tête. Pas du tout. Non, mais si tu veux. Mais demande-lui un truc. Il dira peut-être oui. Bon, il se fait agresser par les meufs. T'es belle en plus, hein, putain. Ça la va, vache. Ça il faut aller lui dire bonjour, non ? Bah, tu veux pas ? Tu veux lui dire bonjour ? Bah, c'est trop tard, j'ai été violent, j'ai pas mes lunettes. Moi, j'ai juste vu que c'était une belle gonzesse et tout. Je t'ai niqué ton cou, Raj. Putain, merde. Vas-y, viens, on va bouger, peut-être. Il en met de raquette. Mais non, mais pas. Non, mais bon. On a fini la vidéo. Ouais, voilà, on a fini la vidéo, c'est le moment d'aller draguer un peu. Et je sais pas, on va traîner, peut-être aller se faire un burger, peut-être. Si jamais dans deux semaines il fit avec la fille, vous saurez ce qui s'est passé, les coulisses.